Le Bibliobus Elan et sa famille habitaient une maison dans la forêt. Tous les soirs, après le repas, ils s'installaient confortablement devant la cheminée. Puis, Elan leur racontait une histoire. Un jour pourtant, il fut à court d'idées. Toutes ces histoires, il les avait déjà racontées. Et si tu nous lisais un livre lui suggéra sa femme. Sans attendre, Elan partit emprunter un livre à Ours, sa voisine. Hélas, elle n'en avait pas à lui prêter. Ni elle, ni aucun des autres animaux qui habitaient la forêt. Ni Blairel, ni Renard, ni Lièvre, ni Top, ni les trois sangliers, pas même les Castors. Personne n'avait un livre d'histoire qu'Elan put emprunter. Alors le lendemain, il décida d'aller en ville à la bibliothèque. Sur place, il découvrit des rayons entiers de livres. Pourquoi pas le petit chaperon rouge proposa la bibliothécaire. Le chaboté peut-être Sinon, c'est N'hésite N'hésitez pas à tous les emprunter. Wow s'écria Ours en voyant tous les livres. Ce même soir, après le repas, ses oursons et elle vinrent écouter Élan leur lire le Petit Chaperon Rouge. Le jour suivant, Ours dit à Blairelle qu'elle avait adoré cette histoire. Son dîner terminé, elle revint écouter Élan avec ses oursons. Cette fois-ci, il lut le Chaboté. Blairel, Blaireau et leurs Blaireautins étaient là aussi. Le lendemain soir, Ours vint à nouveau avec ses oursons. Blairel, Blaireau et leurs enfants, Renard, sa femme et leur renardeau, sans oublier Lièvre et Top. Quant aux sangliers, ils arrivèrent avec leur ribambelle de marcassin. « Entrez, entrez les accueillit Elan. Plus on est de fous, plus on rit. Au fourneau, sa femme était débordée par toutes les commandes de chocolat chaud. À l'arrivée des castors, il y avait tellement de monde chez Élan qu'on était serré comme des sardines, impossible de bouger une patte. Élan eut bien du mal à lire Cendrillon. Sa maison était pleine à craquer. À son réveil, il appela la bibliothécaire, puis se rendit à la casse où il trouva un vieux bus. Après l'avoir réparé, et aménagé. Élan prit la route de la bibliothèque. Une fois là-bas, il remplit le bus de centaines de livres. Assez pour qu'Ours et Blairel et tous les autres animaux peuplant la forêt puissent les emprunter. Mais on ne sait pas lire s'exclama Ours. Alors, Élan lui apprit à lire. Et elle apprit à Blairel. Qui apprit à Renard, lequel apprit à. Ah non, ce fut l'épouse d'Élan qui apprit à lire à Lièvre. Et Lièvre apprit à Top. Tous deux, ils apprirent à lire aux trois sangliers qui apprirent au castors. Peu de temps après, les animaux se mirent à défiler dans le bibliobus pour repartir chez eux, lire leurs histoires au calme. ou entre voisins. Parce qu'en lisant ensemble, qu'est-ce qu'on s'amuse bien Personne, cependant, n'égalait les talents de conteur d'élan, et son salon continua d'afficher complet. On ne s'y sentait plus entassé tel des sardines en boîte, mais bel et bien, comme dans un nid douillet. Et le compte est bon